mais qu'il est con celui-là! Putain! Explique-moi pourquoi t'es aussi con, putain. D'accord, que tu te trompes d'époque, ça me dérange pas. Mais là, qu'est-ce qui t'a pris de draguer la meuf du mec le plus recherché de l'Ouest? Ça, j'espère pour toi qu'il nous a pas suivis, je te préviens. Oh putain. Il est où ce sac à pleurer? Qui a osé embrasser la femme de l'homme le plus recherché du Far West? Il est où ce... Ben? Oui, vous êtes bien sur la messagerie de Ben qui n'a pas touché à la femme de l'homme le plus recherché du Far West. Merci de laisser un message après le bip sonore. Merci, bisous, bisous. Bip. Oui, Ben. Oui, c'est George W. Trump au téléphone. L'homme le plus recherché du Far West. Je t'appelle pour... Ben, rappelle-moi à Zap, s'il te plaît, c'est un peu urgent. Voilà, bisous, bisous. Bisous. Comment je l'ai tué, là? T'es la morveux. Alors, excusez-moi, deux secondes, je me permets de vous interrompre. T'es débile à ce point-là, vraiment? Ah bon? C'est-à-dire que ton plan de merde, il avait marché, et là, tu vois, tu fais... ce qui fait qu'il se retourne et qu'il te voit. Et les... Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu poses ton arme, il te braque même pas? Ah. Oula. Vas-y, bute-le. C'est quoi, bute-le? C'est lui, ma princesse, qui t'a manqué de respect? Oui, mon trésor. Jésus-Marie-Joseph Cucux-Clan, qu'il est moche. Alors, pareil, excuse-moi, j'interromps une deuxième fois. Il y a un moment, il va falloir arrêter de lui dire qu'il est moche, ok? Il le sait qu'il est moche. Il la connaît, sa gueule. Tout le monde le sait qu'il est moche, ok? En attendant, c'est mon fils. Et oui, il est moche. Non. Mais est-ce qu'un homme doit être vraiment jugé par son faciès? Est-ce qu'il n'a pas le droit d'avoir une tête qui ressemble plus à un anus qu'à un visage? Oui, il est laid. Mais c'est mon fils. Oui, sa laideur repousserait plus d'une personne parmi vous. Même en Suisse. Mais en attendant, moi je l'aime. Et est-ce qu'on doit pas juger au final un homme à sa beauté intérieure plutôt qu'à son... Ok, physique? C'est chiant. Ah, allô, des morveux. Ah, oh. La médaille de mon père. Je pensais par jamais. Elle a arrêté la balle. Pas de chance, cowboy. Et elle... La fiole de whisky de mon grand-père. Elle est toujours avec moi. Elle a arrêté la balle. Viens ici! Je sais plus où je l'ai foutu, mais j'avais autre chose. Une pièce de 2 euros. Je l'ai toujours avec moi. Mais ouais, mais t'es con, j'avais pas lâché la pièce. Du coup, comme je l'avais toujours dans la main, forcément, elle a retapé dessus, quoi. Et à un moment, tiens. Mais rien, je crois que tu m'as juste raté en fait. Ah merde! Ouais. Parce que pour le coup, j'avais plus rien. Je suis désolé. Mais si mes calculs sont bons, cowboy. T'as plus de balles dans ton barillet. Ah ouais? Et qu'est-ce qui m'empêche de te fracasser la gueule à main nue? Joue pas, cowboy. Joue pas. Hop là, ouais. Oh là, ouais, ouais. Viens ouais, 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 ouais. Là-bas. Oh là, ouais. Ok, okay. Okay. Ouais, ouais. Allez, ça dégage. Ok, je prends le bus pour Périgueux. Casse-toi. Ok. Ah. Et toi, excuse-toi, toi. Il était là, le dernier objet. Pourquoi je m'excuserais? Mais parce que t'es fringué comme une pute. Oh là. Oh, t'as dit quoi, là? T'as dit quoi? T'as dit quoi, là? T'as dit quoi, là? T'as dit quoi, là? T'as dit quoi, là? T'as dit... Putain, elle vient là. Aïe, aïe, aïe. Mon autre... On s'excuse auprès du monsieur. Aïe, aïe. Hey, qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce qu'il y a? Allez. Allez. Vas-y, tu flippes, hein? Ça, c'est pour tout à l'heure, là. L'homme plus recherché de je sais pas quoi, ouais. Je l'ai tué, là. Juste, tu pensais tout ce que t'as dit, là? Oui, fiston, je pensais tout ce que j'ai dit. Oh, merci. Même sur la beauté intérieure et tout, là?
Ah ouais, non, ça non, en fait, je le pensais pas. Ouais, ah, non. Bah, mais non. Ah, du coup... Non, mais alors, vraiment, faut pas que tu te vexes, mais il y a un moment, si tout le monde te le dit que t'es laid, il y a peut-être un truc. Tu vois. Bon, tu penses? Ouais, fais voir, regarde-moi. Là? Ouais, t'es laid, ouais. Ah, ouais, bien. Y a pas de... Yeah, 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 ouais. Je crois qu'on y est. Putain. Tu sais que je suis fier de toi. Ah, il y a Sandrine, c'est bon, on est un petit peu avant le spectacle, on est bon là. Pas mal. Tu sais que je suis très très fier de toi. C'est vrai? Tu sais que j'ai toujours su que t'allais faire les grandes choses. Merci. Pour moi, t'es vraiment une belle personne et je l'ai tout de suite senti. Bah je sais, parce que c'est vrai que tu penses ça de moi aussi. Parce que je sais pas, t'as ce charisme, t'as cette puissance qui fait que... Et voilà, Zach. Que ça se voit. Merci. Tu la vends toujours ta Clio? Pardon? Ben écoute, moi ça m'intéresse toujours. Je te rappelle, je suis en plein gala. Bisous. Dis-moi, c'est bien, t'es toujours aussi con et on se rapproche de l'heure exacte, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, alors attends, ne pleure pas, ne pleure pas, non, ne non, pleure, mais pas, je pleure pas. Ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Sache que. Papa. Sache que toutes ces aventures qu'on a vécues ensemble ben, m'ont rapproché de toi et je suis fier que tu sois mon fils. Merci. Et qu'on arrive à sauver l'Artus du futur ou pas, pour moi, dans tous les cas, j'aurais vécu un beau moment. Et si ce soir, c'est à Montreux que je dois perdre l'usage de mes jambes, ben, je serais fier d'avoir perdu mes jambes devant des Suisses. J'ai vécu 12 ans dans ce beau pays, bon, du côté joli à Lugano, mais voilà. En attendant, voilà, j'aimerais ce soir, on va peut-être, c'est peut-être la fin du monde, peut-être que dans quelques instants, je vais perdre mes jambes, que cette salle va brûler et que vous allez tous mourir. En attendant, j'aimerais juste qu'on s'accepte tel qu'on est. J'aimerais que l'humanité arrête de se regarder et de se juger. J'aimerais qu'on arrête tous de se dire « Oh, tu es moche. Regardez votre voisin. Regardez comme il est beau. » Pas dans ce coin-là, mais regardez tous les autres. Vraiment. Vous êtes beau. J'ai envie que l'humanité se rende compte que le physique, c'est peu important au final. Qu'on peut avoir du ventre, qu'on peut avoir un faciès disgracieux et être beau. Vous êtes beau. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Je vous trouve beau. Merci, papoute. Ah, putain, mais te mets pas aussi près. Putain, mais je parlais pour les gens, pas pour toi. Non, parce que... Moi, c'est vrai que... Les gens, ils disent, ouais, t'es laid. C'est parce que j'ai des dents de lait, putain. C'est des... Ouais, ça va, mon truc. T'es en train de niquer l'ambiance, Ouais, vraiment. Tu l'as vu? Ouais, parce que tu mets mal à l'aise les gens, en fait. Mais c'était mon moment, là. Mais quand tu te rapproches, les gens ont peur, du coup. D'accord. Tu vois, vraiment. Bon, en attendant, c'est bien, tu te rapproches du temps, mais on est toujours pas dans le bon timing. Mais bah, je vais nous redécaler un petit peu vers 2 degrés, je te jure qu'on va être bon. Hein. J'espère vraiment, parce qu'il y en a 2-3 pour qui je me suis attaché. Tiens, tu vas voir, viens. C'est pas toi, t'emballe pas, c'est pas toi. Mais les autres, vraiment, ça me ferait chier qu'ils meurent, putain. Papoute ! Ouais, mais attends, je les regarde, ils vont peut-être crever, bordel. Bon, on s'en branle, attends. Oh putain! Ça y est! C'est maintenant! Chabite! Antonia, ça va? Ouais, ça va. Je reviens. On l'a fait! Oui, regarde-moi ces petites gambettes qui remarchent! Ah, il a récupéré ses jambes! Merci, Artus, au nom de moi, et en ton nom, et au nom de toute l'humanité. Arrête. Un grand merci. Je t'en prie. Et pour Zaz, on en est où? Zaz, c'est bon, elle est propre. Super. Et pour ta femme, parce que tu peux l'assumer maintenant, on est d'accord, c'est ta femme? Oui, tu peux le dire, c'est ma femme. Et ça deviendra la tienne aussi. Ah merde. Et je sais pas ce que t'as changé dans le passé, mais les choses ont bien changé. Voici ma nouvelle femme. C'est exactement la même, y a rien qui a changé, je suis désolé. Si, c'était pas ce rouge à lèvres qu'elle avait. Je sais pas ce qui s'est passé, mais putain, même ça, ça a pas changé. Donc je me tape un cajot. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister au gala d'ouverture du 27e Festival d'Humour de Montréal.